J'ai pas mis le jingle, mais c'est pas grave, on est, on est super en retard. 20h45, merci d'être avec nous. Euh, Je suis très 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 content euh, de faire ce webinar ce soir, parce que c'est vraiment euh, quelque chose d'assez particulier. Euh, c'est un webinar que, qui, a, qui a été programmé déjà il y a presque un an, n'est-ce pas, euh, mon cher Vincent? Un <laughs> an. Je me souviens Vincent, Vincent Ronco, euh, praticien à Paris. Euh, qui va être présenté par Julien Mourlas, praticien Paris également, qu'on a vu l'année dernière dans un webinar avec Alex Dagba, qui est toujours euh, en replay. Pas facile à trouver sur, euh, sur Facebook, mais si vous allez sur la page Facebook d'ABCDent dans les vidéos, vous allez pouvoir trouver le webinar, mais sinon plus simple, sur YouTube, sur live. Et euh, c'était vraiment une super soirée qu'on avait passée ensemble. Ce soir, Julien, je suis très content de te revoir avec nous, et tu as accepté d'être modérateur euh, pour cette soirée. Soirée donc que je disais programmée déjà depuis euh, oui un an. Vincent donc je me souvenais quand tu es, quand tu quand tu m'avais contacté. Euh, on pensait que que ton ouvrage que tu vas présenter ce soir, euh, tunnelisation, un concept global en chirurgie plastique parodontale, bah, devait sortir pendant la période Covid. Et puis euh, et puis euh, bah, non, bah, ça sort que ma, ça sort ma Maintenant. voilà il a bien mûri euh, ta présentation est prête depuis un an ouais. <laughs> ta présentation est prête depuis un an voilà on est donc euh, enfin prête et euh, encore une fois euh, merci de merci merci d'être avec nous sur abc dans live pour, ce, pour euh, cette belle soirée euh, nous sommes en direct vous pouvez poser toutes vos questions bien évidemment euh, sur le chat sur facebook comme euh, sur youtube et je relayerai les questions à julien et vincent en fin de, de conférence, enfin, je les transmettrai avant. Posez votre question à n'importe quel moment, et Julien les, les, les posera donc à notre cher Vincent. Voilà. Bon, alors je vous laisse, bah, je vous laisse entre grands, et je laisse, <laughs> je vous laisse la scène et Julien présenter Vincent. Ouais. Merci. Euh, donc bon, bah, bonjour, bonsoir à tous. Donc ce soir, on reçoit donc le docteur Vincent Ronco, que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois. Alors, il ne se souvient certainement pas, mais au DU d'Evry, puisque j'ai participé au DU d'Evry tu interviens au DU d'Evry. Donc, j'ai assisté en tant qu'étudiant à une de tes, de tes conférences. Euh, on a discuté un peu avant, hein, donc je, je maîtrise mon sujet. <laughs> donc, Vincent, aujourd'hui, tu travailles à, à Paris. Euh, tu as un parcours euh, bah, qui t'a amené euh, vers une spécialisation en implanto et en parodontologie. Tu as eu la chance. L'opportunité, que certainement tu t'es créé tout seul, et la chance donc de, de suivre un post -grade à l'Université de Liège auprès de l'équipe de Rompen. Donc, on en a discuté un petit peu, c'est trois ans temps plein, c'est. Voilà, un bel investissement personnel, euh, franchement bravo. Aujourd'hui, tu travailles à Paris, tu limites ton exercice à la parole Implanto et tu es également euh, relativement actif euh, en dehors du cabinet puisque euh, tu es cofondateur de l'ACPI, tu interviens euh, donc un, un organisme de formation, l'Académie de chirurgie esthétique parodontale implantaire, tu interviens au, au, au DU d'Evry euh, d'Implanto. Et, euh, et puis bah, tu écris des livres. <laughs> voilà. Donc il est là, il est tout frais, hop, il est magnifique. Et, euh, et franchement, euh, je, je, je salue énormément le travail et j'espère bah, que euh, ce soir tu vas nous, nous en dire euh, un peu plus euh, sur son contenu. Voilà, je te laisse la parole. C'est à toi. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Julien. Euh, Est-ce que... Jérôme je suis, euh, c'est tout bon. Parce que j'ai pas de retour. Ah ouais, ok, d'accord. Hein, merci, euh, merci Julien, merci, euh, merci Jérôme. Euh, ben effectivement, l'objet de, de mon intervention de, de ce soir, elle, elle est quand même directement, il euh, est quand même directement en rapport avec le, avec le livre qui, euh, qui, euh, qui a mis un certain temps à, à aboutir, mais qui aujourd'hui est, est, est présent et et, euh, et en vente sur le site de, de Quintessence. Alors, euh, l'idée, ça va être de, de décrire un concept de traitement, disons, euh, original en, en chirurgie euh, plastique parodontale. Euh, pourquoi original Parce qu'il est exclusivement basé sur la tunnelisation. Alors, la tunnelisation, ce n'est pas, pas une voie d'abord très récente. Hein, elle remonte au mi-temps des, des années 90. Euh, elle a été développée, amendée, corrigée un, un nombre important de, de fois. Euh, mais jusqu'ici, force euh, est de constater qu'elle était largement euh, sous-utilisée et que ses indications étaient, euh, étaient trop restreintes. Alors que, et je vais essayer de, 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 vous, le, de, de vous le démontrer, euh, alors qu'en réalité, c'est une approche chirurgicale quasi ubiquitaire qui permet de traiter. Euh, un éventail de situations cliniques extrêmement vastes, avec un niveau euh, de fiabilité, de reproductibilité et d'esthétique propre euh, à une approche chirurgicale euh, mini-invasive. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, mais je vous rassure, ça va pas être très long, euh, quelques informations quand même sur les... Sur les récessions qui sont destinées, euh, enfin de, qui, qui sont l'objet de, des traitements euh, parodontaux. Euh, les récessions, euh, c'est euh, caractérisé par le recul en, en direction apicale de l'ensemble des tissus parodontaux. Euh, elles ont euh, pour origine un trauma, hein, qu'il soit mécanique, chimique ou euh, inflammatoire. Et en l'absence de parodontopathie, elles affectent plutôt les phases vestibulaires et ce, essentiellement parce que les, les dents sont légèrement déportées, particulièrement dans le secteur esthétique, euh, en direction vestibulaire, légèrement hors des arcades, raison pour laquelle elles se développent plutôt sur cette face-là. Les implications des, des récessions sont, euh, sont multiples. Euh, D'abord, elles sont particulièrement euh, inesthétiques, et, et c'est un motif de plainte euh, assez récurrent de, de nos patients. Elles sont inesthétiques à la fois parce que la dent va s'allonger, en tout cas elle va donner cette impression, mais aussi en raison de l'atteinte souvent un peu plus saturée des, des racines dentaires. Et cette, cette bichromie est en général assez, assez mal perçue par, par les patients, en plus de cette sensation de dent longue qui fait penser ou qui rappelle en tout cas le, le vieillissement. L'autre motif très récurrent de plainte, c'est les hyperesthésies dentinaires, bien entendu. Et puis, la racine de la dent étant constituée essentiellement de dentine, donc d'un matériau relativement peu minéralisé, évidemment, les racines sont beaucoup plus sensibles aux abrasions et à la carie dentaire au fur et à mesure du temps. Dernier point, euh, l'inflammation euh, euh, gingivale. En fait, lorsque la gencive se, se rétracte, lorsque la, la récession grandit, euh, il se forme une zone un petit peu enfractueuse euh, à l'interface dent-gencive. Et cette zone enfractueuse, euh, elle est évidemment assez difficile à, à nettoyer pour les patients et assez souvent euh, le fait de développer une récession entraîne une aggravation spontanée et automatique des récessions par ce défaut euh, de nettoyage euh, lié à cette anfractuosité. Il y a un autre aspect, c'est que la plupart de nos patients brossent leurs dents, mais sous-entendu, ils brossent leur couronne dentaire. Euh, on ne leur a pas expliqué, euh, et c'est normal, tant qu'on n'a pas de récession, on n'a pas à le faire, on leur a pas expliqué qu'il faut brosser l'interface dents -gencive. Et il se trouve que euh, lorsque euh, l'interface dent-gencive s'éloigne au fur et à mesure que les récessions grandissent euh, de la couronne dentaire, eh bien, cette interface est de moins en moins brossée, puisque de plus en plus à distance euh, de la zone naturellement brossée par, euh, par les patients. Alors, il en va en, en parodontologie comme de toute thérapeutique médicale. On va d'abord donner une chance aux traitements non chirurgicaux et puis va arriver un moment où l'indication de traitement chirurgical va être posée. Les traitements non chirurgicaux sont assez pauvres, hein, il faut dire ce qui est, en, en, en parodontologie, puisque euh, essentiellement, ça va être euh, des traitements visant à, à suspendre la progression euh, de la parodontopathie, euh, essentiellement en réduisant les facteurs de risque euh, réversibles. Euh, ça va être également des, euh, des traitements visant à réduire la symptomatologie en appliquant des vernis sur les, sur les racines dentaires. Mais euh, à un moment, euh, pour différentes raisons, euh, on va basculer vers le traitement, euh, vers le traitement chirurgical. Alors principalement euh, pour des raisons esthétiques, hein, euh, mais aussi pour des euh, raisons de réduction euh, d'hypersensibilité, euh, pour l'amélioration de l'hygiène orale, euh, mais aussi, euh, et même si ce point est un petit peu débattu dans la littérature scientifique, euh, l'augmentation de la quantité de, de, de tissu kératinisé peut aussi être euh, un motif, ou en tout cas une motivation euh, à l'intervention chirurgicale. Alors, voilà, c'est tout pour l'introduction. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, euh, mais euh, avant de véritablement décrire le, le, le concept de traitement qui nous réunit ce soir, euh, je, je voudrais insister sur un certain nombre euh, de problématiques clés en chirurgie plastique parodontale. Et en fait, pour faire simple, la chirurgie plastique parodontale se définit, à mon sens, en fonction des sept problématiques que vous voyez à l'écran. Et on va les aborder une à une. Première problématique, le guidage. Alors, il ne faut pas perdre de vue que la gencive, c'est un tissu mou. Et en tant que tissu mou, elle ne va pas se stabiliser ou se positionner de façon harmonieuse si elle n'est pas guidée. Et euh, ce qui guide euh, la, la gencive dans son positionnement, euh, c'est la jonction amélo-sémentaire. On le voit bien sur, euh, sur cette vue, particulièrement sur la vue en coupe euh, d'une dent, sur la vue de profil, la vue latérale. Euh, il y a une, une anatomie protectrice absolument caractéristique de la jonction amélo-sémentaire. Et c'est cette anatomie qui va euh, stabiliser euh, et positionner harmonieusement la gencive. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'un patient comme celui que vous voyez à l'écran, eh lorsqu'il vient vous voir pour un recouvrement radiculaire, la première chose qu'il faut lui dire, c'est je ne peux pas vous traiter chirurgicalement d'emblée. Ce n'est pas possible parce que l'anatomie de vos couronnes dentaires n'est pas intacte. Effectivement, il y a des abrasions coronoradiculaires très caractéristiques, particulièrement au niveau des canines et des incisives latérales. Et ces abrasions coronoradiculaires ont complètement euh, fait disparaître la jonction amélo-sémentaire. Donc, il n'est pas possible de procéder tel quel à un recouvrement radiculaire. La gencive ne pourrait pas se stabiliser harmonieusement. Donc, la première étape, c'est de déterminer euh, le zénith de ce qu'était, avant sa résorption, euh, la jonction amélo-sémentaire. Alors, il y a différentes techniques. Euh, qui, qui existe. Il y a une méthode mathématique que je décris dans le livre avec un certain nombre de rapports euh, entre la largeur et la hauteur d'une dent. C'est de, euh, une étude de Sterret qui décrit ça. Euh, C'est très bien, sauf que ça nécessite d'avoir une dent dont l'anatomie est relativement conventionnelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas des canines de ce patient. Euh, alors, on peut se, se reporter sur une autre méthode qui est. Euh, une méthode je dirais de, de logique de positionnement des, des collets. On sait que euh, le collet de la canine euh, et de l'incisive sont à peu près sur une même ligne, la canine étant légèrement plus apicale. Quant aux euh, incisives latérales, elles sont légèrement, euh, leurs collets sont légèrement plus coronaires que la ligne formée euh, par les collets des incisives centrales euh, et des canines. Et donc c'est comme ça qu'on va approximer la position euh, des euh, zénithes, des jonctions amélo Le reste du travail de reconstruction euh, est laissé euh, à mon très brillant confrère, le docteur Arnaud Kost, qui exerce à Paris euh, et qui va très minutieusement sur les canines, mais aussi sur les incisives latérales, sous digue, venir reconstruire la portion coronaire manquante et en particulier, il va reconstruire une anatomie tout à fait biomimétique. Si vous regardez bien sur la vue en coupe, euh, enfin sur la vue latérale plus exactement, euh, un, peu en, euh, un peu en défilé, la vue en noir et blanc, eh bien vous allez voir l'anatomie très protectrice qui a été reconstruite au composite. Et c'est cette anatomie très particulière qui va permettre le guidage et le positionnement de la gencive lors de la chirurgie. Une fois que ce travail de reconstruction euh, coronaire est fait, c'est ce que vous voyez sur la photo euh, de gauche, eh l'intervention chirurgicale peut, euh, peut démarrer. Alors ça commence par euh, une tunnelisation, hein, euh, puis euh, on va utiliser euh, des microgreffons sur lesquels on, on reviendra plus tard, euh, et puis on va déplacer les tissus, et euh, la photo que vous voyez en bas à droite, c'est la cicatrisation euh, que l'on observe à une semaine. In fine, euh, on a un recouvrement des, des récessions, une harmonisation des, des collets, et très clairement, on n'aurait pas pu obtenir cette précision, ce niveau euh, de, euh, de précision dans le repositionnement euh, des collets gingivaux si on n'avait pas préalablement euh, reconstruit euh, la jonction euh, amélo-sémentaire. C'est véritablement le guide euh, qui permet à la chirurgie euh, mucose-gingivale d'être un, un succès. Voilà pour ce, ce premier point. Deuxième point, euh, le support. Alors, on est dans un autre type euh, de défaut. Euh, euh, on est ici dans un autre type de, 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 défaut, euh, de, de défaut dentaire. Dans ce, ce cadre-là, euh, on a une jonction amélo-sémentaire qui, euh, qui est tout à fait intacte. En revanche, on a une abrasion euh, radiculaire qui est très profonde. Et lorsque ça se produit, eh bien, euh, évidemment, on n'a pas à reconstruire la jonction amélo-sémentaire. Euh, elle, euh, elle est fonctionnelle, elle est présente. En revanche, on ne peut pas déplacer les tissus sans prendre le soin de compenser euh, la profondeur de la perte que l'on a au niveau de la racine. Parce qu'on pourrait tout à fait déplacer les tissus à recouvrir, mais très rapidement la récession reviendrait parce que les tissus s'invagineraient dans ces, dans ces concavités. Alors L'idée, c'est d'apporter euh, un étai, euh, une sorte d'échafaudage gingival qui va permettre de maintenir l'espace. Et euh, l'épaisseur de la greffe que l'on va euh, choisir, l'épaisseur du greffon, doit être en corrélation directe avec euh, la profondeur de la concavité, augmentée à la louche de 10%. Pourquoi Parce que dans beaucoup de processus cicatriciels, euh, on a une légère euh, atrophie euh, euh, du, euh, du greffon pendant la période euh, de cicatrisation. Et en fait, on doit le compenser à l'avance pour que les choses tombent bien juste. Euh, ces micro-greffons, euh, on les voit euh, ici à l'écran. Euh, leur leur euh, épaisseur est donc corrélée à la profondeur de la concavité et on voit sur l'image de droite euh, à quel point euh, ils viennent compenser euh, le problème rencontré au niveau de, de la racine. Voilà l'image après mise en place des, euh, des deux greffons. Euh, et ici, euh, après euh, cicatrisation, on a... Euh, un nivellement euh, des, euh, des collets, certes, mais euh, le plus intéressant, c'est la vue euh, occlusale, euh, où on voit bien que les greffons maintiennent euh, non seulement euh, le niveau gingival, mais en fait vont l'aligner avec euh, les tissus euh, préexistants sur les dents, euh, sur les dents euh, présentes de part et d'autre euh, des dents traitées. Une autre problématique, c'est la surface exactement l'état de surface ou la biocompatibilité. Quand on rencontre une situation telle que celle que vous voyez en haut à gauche de l'écran, celle qui est encadrée, euh, eh euh, l'idée dans un premier temps, c'est tout simplement de rendre la racine juste un tout petit peu moins hostile qu'elle ne l'est au départ. Euh, en clair, on va faire une, un sérieux enseignement à l'hygiène euh, et puis réaliser un traitement parodontal tout à fait basique, non chirurgical, euh, un mois euh, avant l'intervention. Et au moment de l'intervention, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire plus euh, avant de procéder au recouvrement radiculaire Faire plus, ça peut être éventuellement euh, utiliser euh, des matériaux modificateurs ou biomodificateurs de surface. Euh, il en existe de, de différents types. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique, euh, l'usage de ces matériaux est très controversé. Euh, en clair, vous trouverez à peu près autant d'études. Qui vous disent que euh, d'un point de vue histologique ça a un intérêt, que euh, d'études qui vous disent que d'un point de vue histologique, ça a un intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Euh, et globalement, d'un point de vue clinique, je ne suis pas du tout certain de la portée euh, de euh, l'utilisation de, de ces biomodificateurs. Donc, la manière dont je fais les choses, ça n'engage que moi, euh, c'est très simple. C'est euh, une décontamination très légère aux ultrasons, le jour de l'intervention, préalablement au recouvrement radiculaire, pas d'autres traitements euh, visant à modifier l'état de surface de la dentine. on peut retrouver des choses encore un peu plus hostiles à la surface d'une racine, comme par exemple des composites. et euh, ici, on voit sur euh, les canines de, de ce patient euh, des, euh, des composites euh, radiculaires euh, extrêmement, euh, extrêmement vastes qui ont été mis en place euh, à la fois pour des raisons euh, Esthétique, enfin pseudo-esthétique, parce que c'est quand même pas très heureux, euh, mais aussi pour des, des raisons de, de, diminu de diminution de, de sensibilité, euh, des sensibilités dentaires. Donc, la première étape, évidemment, c'est un enseignement euh, à l'hygiène mais aussi la dépose euh, des, euh, des composites euh, radiculaires à peu près un mois avant l'intervention chirurgicale. Le jour de l'intervention chirurgicale, on peut se poser exactement la même question que dans le cadre d'une racine native, comme dans le cas précédent. On peut se demander est-ce qu'on peut faire plus euh, Est-ce qu'on peut modifier la surface Et la question, là, elle se pose quand même de, de, de façon un peu, plus, un peu plus présente, parce que on a probablement une dentine qui est infiltrée par des résidus de colle, de, de résine, et à ma connaissance, mais Julien tout à l'heure tu me diras si tu as d'autres données, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques traitant des traitements de surface sur des racines avec des antécédents euh, de composites euh, de, composite, de, composite de coller. Et donc je ne sais pas euh, dans quelle mesure ça peut être un, un avantage. Mon point de vue, en tout cas, c'est que euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue de la biocompatibilité, euh, on va avoir une action ultrasonique, peut-être légèrement plus, euh, plus tonique que dans le, le cas précédent d'une racine native, euh, mais je ne fais pas de traitement euh, autre que, que celui-là. Encore une autre problématique, celle de l'invasivité des traitements. Et compte tenu du titre de, de la conférence et des, des diapositives précédentes, euh, vous aurez sans doute compris que j'aime beaucoup la tunnelisation. Mais avant de vous dire pourquoi j'aime beaucoup la tunnelisation, euh, eh bien, euh, pour ceux qui peut-être ne seraient pas totalement familiers avec cette procédure, on va faire quelques petits rappels techniques. Euh, concrètement, la tunnelisation, euh, elle commence par euh, des incisions intrasulculaires au niveau des traits pointillés blancs que vous voyez à l'écran, et puis ensuite, ces incisions intrasulculaires vont offrir euh, un abord, une porte d'entrée, euh, de manière à préparer la gencive. Et alors de façon très pragmatique, si la gencive est très épaisse, on va réaliser une intervention euh, de type préparation en épaisseur partielle. Si maintenant elle est très fine, euh, eh bien on va réaliser une intervention, une préparation en, en épaisseur totale, dans la mesure où la priorité est de ne pas déchirer euh, l'enveloppe euh, ou de ne pas la transpercer. On arrive euh, ensuite euh, à l'étage muqueux, après avoir quitté l'étage gingival. Euh, et au niveau de l'étage muqueux, c'est très simple. La préparation, elle est toujours en épaisseur partielle, parce qu'elle est très facile, dans tous les cas, euh, à réaliser de cette manière-là, euh, avec une petite musculotomie, lorsque l'on doit réaliser euh, un déplacement euh, tissulaire, ce qui n'est pas systématique, mais on y reviendra plus tard. Euh, concrètement, la tunnelisation, ça sert à quoi Bien, La tunélisation, ça permet... De déplacer dans le sens vertical, donc en l'occurrence en direction coronaire, de façon, euh, de façon très libre, sans tension. Ça permet de déplacer les tissus lorsqu'on en a besoin. Ça permet aussi de créer une lumière sous les tissus de surface, lumière au sein de laquelle on va pouvoir glisser un greffon conjonctif euh, lorsque c'est nécessaire et on va pouvoir l'exposer ou au contraire l'enfouir en fonction des indications. Mais ça, on va y revenir plus tard également. Donc voilà pour ce qu'est la tunnelisation. Maintenant, la raison pour laquelle j'aime beaucoup la tunnelisation, en fait, il y en a plein, mais je vais juste en évoquer trois et qui sont totalement, rela euh, qui sont totalement en relation avec le caractère mini-invasif de la procédure. Il s'agit euh, de la préservation de la structure des papilles, de la préservation du structure potentielle, de la, pardon, du, du potentiel vasculaire et euh, de, euh, du taux de complication extrêmement bas euh, avec ce type, euh, type d'approche. Alors, détaillons d'abord la préservation de la structure papillaire. Eh bien, sur le cas clinique que vous voyez euh, brièvement euh, résumé euh, à l'écran, euh, on a des papilles qui sont relativement fines. Évidemment, elles ne sont pas abîmées par la tunnelisation, hein, elles ne sont pas incisées. Et donc, on va pouvoir déplacer euh, les tissus euh, en l'occurrence, un greffon est, est, est intercalé sous la gencive actuelle, mais euh, on va pouvoir déplacer les tissus dans le, sens, dans le sens vertical sans du tout nuire aux papilles. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, vous voyez à quel point les tissus sont matures. Ça, c'est typique de la tunnelisation. Plus les tissus sont matures rapidement, plus on va pouvoir enlever rapidement les fils de suture, plus le patient... Va pouvoir nettoyer, moins on a de risques d'infection, plus il reprend rapidement une vie normale, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Euh, et ça, c'est vraiment typique d'une approche conservatrice vis-à-vis -vis des papilles dentaires. La deuxième qualité, euh, je trouve, de, de la tunnelisation, est probablement une des principales, c'est la préservation d'un patrimoine vasculaire exceptionnel. Et Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire Ça va nous permettre de jouer avec un concept qui est la cicatrisation de seconde intention. Jouer avec la cicatrisation de seconde intention va permettre de créer verticalement euh, du tissu kératinisé, tissu qui n'existait plus euh, en début d'intervention, tissu qui va exister en fin d'intervention, tout simplement parce que on va, comme vous le voyez à l'écran, exposer le greffon. Et donc le greffon est exposés au niveau des récessions. Euh, en pointillé, euh, vous voyez euh, très bien l'anatomie du greffon qui a été retranscrite. Et donc, les portions euh, enfouies du greffon euh, vont permettre la revascularisation progressive des euh, portions exposées. Alors, au début, évidemment, il n'y a pas de vascularisation. Ça, on a une, le, le tissu est, est nourri par... Euh, euh, par diffusion osmotique, et puis ensuite progressivement à partir du troisième jour, il y a une néovascularisation qui se crée avec une anastomose. Euh, dans le passé, il y a eu des publications qui ont montré qu'il fallait euh, X fois, euh, apicalement euh, à la récession, euh, du tissu, euh, il fallait X fois le tissu exposé, enfoui, euh, en apical. En fait, ça n'a pas vraiment de sens parce que... L'essentiel de l'apport vasculaire est latéral. L'essentiel de l'apport vasculaire à destination du greffon exposé provient des papilles. Apicalement, on a en règle générale un tissu qui est de la muqueuse. La muqueuse a une structure vasculaire qui est relativement peu organisée. C'est absolument pas cette partie-là du, du lambeau qui va être vecteur d'une revascularisation forte pour le greffon. Évidemment, à partir du moment où on expose, il faut être clair, il y a un risque de nécrose qui est très faible dans la partie, disons, dans le tiers inférieur de l'exposition, qui est modéré dans le tiers médian et qui est un petit peu plus élevé encore dans le tiers le plus coronaire. Euh, ça, c'est une réalité clinique. Ceci dit, dans la plupart des cas, ça se passe extrêmement bien. Euh, et on a une revascularisation progressive euh, du tissu euh, exposé par l'intermédiaire euh, des, euh, des portions qui sont enfouies. Et au bout de trois semaines, euh, on a une cicatrisation de seconde intention qui commence à arriver à son terme avec une kératinisation de surface qui est de plus en plus mature et in fine, on a recréé un tissu kératinisé parfaitement fonctionnel. En clair, on a recréé de la gencive, évidemment adhérente à la racine dentaire. La question ne se pose pas, hein, on ne génère pas de poche parodontale. Hein. Euh, on génère un tissu totalement fonctionnel, un tissu kératinisé totalement fonctionnel. Euh, et ça, c'est uniquement avec la tunélisation. C'est quasiment impossible, avec d'autres approches chirurgicales, d'en demander autant au greffon. Le greffon qui se revascularise sur plusieurs millimètres en verticale, ça ne peut être fait que par une... Une approche chirurgicale qui est très conservatrice vis-à-vis -vis du potentiel vasculaire. Dernier point, euh, dernier avantage, je trouve euh, conséquent, on ne parlera pas des avantages moins, moins, moins majeurs. Dernier avantage, euh, le, le, taux de, le taux de complications. Alors, il peut y avoir différents types de, 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 de complications hein, avec la, la tunnelisation. Euh, principalement, il y a les complications techniques et les complications euh, vasculaires les complications de, 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 de cicatrisation. alors, les complications techniques, la principale, la plus, euh, la plus grave, euh, c'est euh, ce que vous voyez à l'écran, c'est la déhiscence. donc, c'est une, euh, une déchirure du, euh, du lambeau, euh, tunnelisée par une maladresse chirurgicale, tout simplement. ça peut se produire. est-ce que c'est vraiment un problème? en fait, ce n'est pas réellement un problème. Dans la mesure où euh, une, euh, une déchirure du lambeau, ce n'est jamais qu'une récession supplémentaire. Donc elle est traitée comme telle, ici en l'occurrence, avec une exposition du griffon, et donc ça cicatrise très bien. En fait, on offre à la déchirure un plan de cicatrisation. De seconde intention, et euh, in fine, les tissus se reconstruisent, non pas comme si on avait deux récessions, mais comme si on en avait trois, la troisième récession étant induite par le praticien euh, et par son erreur chirurgicale. Donc globalement, euh, les complications techniques euh, avec la tunnelisation, elles, euh, elles sont peu nombreuses euh, et elles sont peu graves et elles se gèrent globalement à peu près toutes seules. Ici, c'est un exemple. Dans le livre, il y a plein d'autres exemples. Euh, mais c'est le plus significatif. Euh, on aborde un autre type de complications, qui sont les, les complications euh, de cicatrisation. Alors, il y en a un certain nombre, encore une fois, euh, tout abordé dans le livre. Mais euh, la principale, celle qui va le plus nous embêter, euh, c'est euh, l'ischémie la, la, de, de facteur X. Alors, c'est quoi l'ischémie de, de facteur X euh, Eh bien, c'est que tous les patients ne sont pas exactement équivalents. Euh, le greffon qu'on peut trouver au niveau de leur palais n'est pas d'égale qualité, leur capacité à revasculariser ce greffon n'est pas d'égale qualité non plus. Et donc, chez certains patients, on va faire des choses tout à fait dans les règles qui vont se passer merveilleusement bien, et chez d'autres, euh, eh on va avoir un peu plus de difficultés euh, à obtenir le même résultat. Ici, je prends un exemple euh, d'un patient qui a une récession très profonde, euh, récession de classe 3, on hein, a une perte papillaire euh, en distal, une récession très profonde, et. Euh, on va tunneliser, insérer un greffon conjonctif et l'exposer massivement de manière à créer euh, du tissu caratinisé, de manière à reconstruire les tissus euh, qui ont été perdus. Et euh, comme euh, je l'ai expliqué précédemment, on a euh, une zone qu'on est à peu près sûr de voir se revasculariser, une zone orange sur laquelle on a très peu de doutes et une zone rouge où, en fonction du patient, du facteur X, on va avoir une revascularisation ou pas. Revascularisation totale, recouvrement total de la récession, revascularisation partielle, recouvrement partiel. Ici, ça se passe plutôt pas mal. Au bout d'une semaine, on voit qu'il y a une certaine souffrance tissulaire, mais globalement, les choses se passent plutôt bien. Mais en fait, la dernière partie va quand même souffrir un peu et cette zone rouge, euh, elle va euh, pas reprendre euh, euh, totalement et on va avoir un certain défaut euh, de recouvrement. alors, est-ce qu'on pouvait prétendre à mieux? le résultat est, est déjà sympathique, mais est-ce qu'on pouvait prétendre à mieux? alors, on a une récession de classe 3 et euh, vous voyez une petite flèche rouge au niveau de la papille distale de cette dent. cette petite flèche rouge, c'est le manque de tissu en proximal. eh bien, pour calculer avec une certaine certitude, je dois dire, euh, pour calculer la hauteur euh, de, re de recouvrement que vous pouvez obtenir, en fait, il faut euh, euh, reporter euh, c'est euh, une étude de, de Zoukeli qui, euh, qui était tout à fait bien euh, et qui a, a décrit ça très bien il faut reporter euh, la hauteur de la perte papillaire en dessous de la jonction amélo pour déterminer. Euh, le, la ligne de recouvrement maximal. et donc on voit qu'on est relativement proche de cette ligne de recouvrement maximal mais on n'y est pas tout à fait. par ailleurs les tissus ont été épaissis mais compte tenu euh, de la proéminence très forte de la racine en vestibulaire l'idéal serait quand même de l'épaissir un petit peu plus. donc on fait une deuxième euh, intervention ce qui peut se produire dans ces cas de reconstruction euh, massive euh, mais une intervention qui est complètement différente de la première, puisque vous voyez que le greffon est très restreint, d'une part, et d'autre part, il est totalement enfoui. Et un greffon totalement enfoui, c'est un greffon sur lequel on n'a absolument aucun doute quant à son devenir. Il va évidemment se revasculariser, il va évidemment permettre un épaississement des tissus, et on va aboutir à un recouvrement, à concurrence de la ligne de recouvrement maximale que l'on pouvait, euh, pouvait espérer. Donc voilà, ces complications de cicatrisation, elles sont exclusivement réservées, ou quasiment exclusivement réservées, euh, à euh, ces cas de, de greffe euh, conjonctive très exposée. Euh, et lorsque complication il y a, euh, lorsque le résultat n'est pas parfait en une intervention, eh bien, on peut réaliser un second temps chirurgical plus réduit pour parachever le travail. Euh, une autre problématique est celle du déplacement, plutôt de l'ancrage. Et en fait, qui dit chirurgie mucogingivale dit déplacement des tissus, euh, ou en tout cas soutien des tissus lorsque ne veut pas les déplacer, au moins les soutenir pour ne pas qu'ils s'affaissent. Je pense en particulier au cas de, de, de greffons exposés. Alors, il y a différentes possibilités d'ancrage. Euh, on peut ancrer les fils de suture au collet des dents. C'est plutôt pas une bonne idée parce que les fils de suture vont venir appuyer sur les zones euh, tunnelisées, euh, sur la, la papille en proximale euh, et euh, ça va générer des ischémies, euh, voire des, des, des cicatrisations kéloïdes. Ce n'est pas, pas une très bonne idée. Par ailleurs, le positionnement de ces, de ces euh, des, des collets, enfin des, col, des collets dentaires est, est, trop, est trop apical, pas assez coronaire. Il y a une autre option. C'est de coller les fils de suture à la face vestibulaire des dents. Alors, au-delà du fait que ce n'est pas pratique, que ça nécessite une véritable procédure de, de collage, euh, ça pose un problème qui est que euh, ces collets, enfin, ces, euh, cette face vestibulaire, elle est juste au-dessus de la zone opérée. Ce qui est bien pour effectuer une traction verticale mais il manque un petit quelque chose, petit quelque chose qui est apporté par l'utilisation des points de contact interdentaires. En fait, un point de contact interdentaire, ça a une position tout à fait idéale en chirurgie plastique parodontale parce que c'est non seulement positionné coronairement au site opéré, mais en plus légèrement en dedans du site, un peu plus lingual ou un peu plus palatin, hein, c'est selon. Eh bien, ça va permettre non seulement un déplacement des tissus si on le souhaite, mais en plus un plaquage de la zone opérée contre la dent. Et donc, c'est double action. C'est vraiment un cadeau, euh, les, le positionnement des points de contact interdentaires. Par ailleurs, le gros avantage des points de contact interdentaires, ben, c'est que euh, on n'a pas à les créer. Ils sont là. Et s'ils sont un peu faibles, ce n'est pas très grave. Euh, on peut les, les étanchéifier euh, sans pour autant euh, ni mordancer ni euh, faire une procédure d'adhésion euh, avec, euh, avec du composite fluide et par les, les simples contre-dépouilles présentes euh, dans les zones inter, euh, interdentaires, euh, le, le composite est maintenu euh, durant la semaine de cicatrisation jusqu'à la dépose des fils de suture. La dépose est évidemment très simple puisqu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de, de mordançage. Alors, ces, euh, ces points de contact interdentaires, ils permettent d'ancrer, par exemple, des matelassiers verticaux, comme dans ces cas de greffe exposée. Ces matelassiers verticaux, euh, ils vont être très utiles pour soutenir les tissus en présence ou pour déplacer les tissus euh, dans le cadre de récessions très simples. Euh, mais il va y avoir très vite un problème. C'est que lorsque l'on veut déplacer de façon plus importante des tissus avec des dents plus larges, on va avoir un manque d'efficacité de ces points strictement, euh, strictement euh, proximaux. À ces points proximaux, il faut ajouter un autre point de suture un peu particulier qui est un matelassier horizontal situé dans la zone centrale de la dent. L'ensemble formé euh, par euh, ces, euh, ces sutures euh, matelassiers horizontaux, euh, matelassiers horizontal plus matelassiers euh, verticaux, euh, je l'ai publié en 2017, maintenant, ça commence à, à faire un petit moment, euh, et j'ai appelé ça ceinture et bretelle. Alors, euh, d'abord en raison de l'analogie visuelle, mais aussi parce que l'expression euh, ceinture et bretelle, euh, elle décrit euh, euh, une redondance de procédures de, de sécurité en quelque sorte. Eh C'est exactement ce dont il s'agit avec ces sutures. Elles permettent d'abord de déplacer de façon euh, euh, extrêmement harmonieuse les tissus le long de la jonction amélo-sémentaire. Pourquoi Parce que les tissus sont soutenus en continu euh, depuis les zones proximales euh, jusqu'aux zones centrales. Donc il n'y a pas de bâillement il euh, y a un, un contact permanent euh, et une harmonisation de, de l'arrondi. Euh, absolument, euh, absolument constant. Ensuite, et on le verra un peu plus tard, quelle que soit l'anatomie, la forme, la dissymétrie de la récession, en clair, quel que soit le type de récession, euh, la compensation euh, est assez facile avec ce, ce type d'approche euh, qui déplace les tissus de manière vraiment très continue tout le long euh, de, de la gencive marginale. Enfin, il y a un argument euh, biologique qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que la force nécessaire au déplacement d'un tissu, elle est constante, quelle que soit la manière de suturer. En revanche, plus vous faites de sutures, alors attention, hein, on parle de sutures 6-0 ou 7-0, hein, sutures de faible dimension, mais plus on fait de sutures, et plus cette force est répartie. En clair, moins la tension imprimée par chacun des brins est importante. Et c'est très important pour réduire l'ischémie. Et ça, c'est tout à fait contre-intuitif. On se dit, plus il y a de sutures... Plus c'est néfaste en termes de, 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 de reprise de, vers, de, 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 de vascularisation, alors qu'en fait c'est tout à fait l'inverse. Euh, parlons d'un point essentiel, hein. peut-être pas pour nous, mais pour nos patients, c'est la douleur. Alors, quand est-ce que les patients se plaignent de douleur Je pense que tout le monde derrière son écran euh, a, déjà, a déjà compris de, 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 de quelle photo euh, il s'agit, laquelle il faut choisir. Bah, que les tissus, euh, que le greffon conjonctif soit enfoui, euh, comme dans la photo euh, en haut à gauche, euh, ou qu'il soit exposé, comme dans la photo euh, euh, en bas à gauche. Euh, le patient ne se plaindra jamais, mais jamais. Il n'a jamais mal sur le site opéré. Où est-ce qu'il a mal Au niveau du site donneur. Et le site donneur, en chirurgie euh, plastique parodontale, ben, malheureusement, c'est rarement les tubérosités qui, qui offrent que très peu de complications, parce que c'est des sites qui sont un peu réduits pour euh, l'usage euh, qu'on en a. Euh, c'est surtout le, le palais et le site d'honneur. Donc, il y a une stratégie à, à mettre en place pour réduire euh, la, la douleur au niveau du site, euh, au niveau du site donneur, c'est-à-dire au niveau du palais. La, la première chose à faire, c'est de réduire la surface euh, de tissu euh, de tissu prélevé. Et il euh, y a deux procédures qui le permettent. Il euh, y a l'utilisation de, de micro greffes euh, et il y a l'utilisation de greffons bandelettes. On va voir ça. Euh, et puis, l'autre problématique, c'est évidemment la protection euh, du, site, euh, du site de prélèvement. Alors, les micro-greffes, de quoi s'agit-il euh, Eh bien, lorsque ça s'indique, et on verra un peu plus tard, je, je sens qu'il y a plein de questions qui doivent fuser euh, on verra un petit peu plus tard les indications respectives de ces différentes interventions qu'on a vues euh, jusque-là. Euh, eh bien, les micro-greffes, euh, en fait, elles proviennent de la division. D'un greffon conjonctif conventionnel. Sauf qu'en fait, les micro -greffes que vous voyez là, donc le, le traitement de tout un secteur, provient de l'utilisation d'un greffon qui, s'il avait été utilisé entier, aurait simplement permis de traiter les deux incisives centrales. Donc les canines et les incisives latérales sont traitées euh, en bonus, en quelque sorte. Euh, ces micro-greffes, elles permettent une, une économie mais absolument drastique euh, en termes de, terme de prélèvement, donc des suites opératoires euh, infiniment plus, plus légères pour les, pour les patients, avec un résultat euh, qui, euh, en termes euh, d'esthétique et de fonction, euh, est, est, est tout à fait équivalent à celui qu'on aurait obtenu avec un gros greffon très long, euh, probablement bilatéral dans le cas présent. Autre aspect. Euh, voilà, pourquoi ces images sont noires et blanches Parce que euh, c'est des cas cliniques que j'ai traités euh, euh, il y a un certain temps maintenant. Euh, je prélevais beaucoup et tout ce que je prélevais, je le mettais sur site euh, en me disant que c'était certainement pas perdu. Alors ça marchait bien, hein euh, sauf qu'en fait, c'est une erreur en réalité. C'est une erreur parce qu'on est très invasif. Vis-à-vis -vis du palais, euh, on est très agressif vis-à-vis -vis du site de prélèvement, alors qu'en réalité, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'épaissir la fine bandelette de tissu caratinisé qui persiste apicalement à nos récessions. Si vous regardez bien la flèche à droite, euh, elle montre les 3 mm, 3 mm et demi de tissu caratinisé résiduel. Eh bien, le but d'une intervention de chirurgie plastique parodontale n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais d'épaissir la muqueuse, c'est d'épaissir le tissu kératinisé, c'est d'épaissir la gencive. Donc pourquoi utiliser un greffon dont la largeur serait plus importante que celle euh, du tissu que l'on a à épaissir Et donc de plus en plus, euh, les années passant, j'utilise des greffons qui ressemblent un petit peu au, au, carré, euh, au carré rose que vous voyez en haut à droite. Donc des greffons qui, euh, qui sont en fait des petites bandelettes très fines. Euh, mais relativement épaisse, qui vont donner un kick, un coup de boost euh, au, biotype, euh, au biotype gingival euh, et strictement au biotype gingival. La muqueuse n'a pas vocation à être épaissie, ça n'a pas de sens. Dernier point, pour limiter euh, le, les suites opératoires pour, pour les patients, avoir recours soit photo de gauche, à une technique de prélèvement à un sur bord euh, décrite, me semble-t-il pour la première fois par... Euh, Zur et Urtzeller, il, il y a quelques années, euh, technique très élégante, euh, un petit peu compliquée à, à, à maîtriser euh, au début, mais, mais il suffit de s'y former, ce n'est pas quelque chose du tout d'insurmontable. Et dans cette technique, en fait, il y a un volet superficiel, une sorte de, de, de superficie d'enveloppe, euh, le, le greffon étant sous-jacent, et ce volet superficiel va protéger euh, les, tissus, euh, les tissus profonds euh, lors de, de la cicatrisation. Maintenant, pour différentes raisons, on peut être amené à prélever différemment. Pas seulement pour des raisons de dextérité chirurgicale, mais aussi pour des raisons d'usage. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps du tout de rentrer dans l'utilisation, ou plutôt dans le schéma d'utilisation de tel type de greffon, telle manière de le prélever pour tel usage. C'est un, une présentation en soi, quasiment. Eh bien, euh, on peut, si on fait un prélèvement de surface, prélever euh, et euh, s'assurer des suites opératoires relativement légères en utilisant une sorte de composite armé euh, qui vient protéger, euh, qui vient protéger le, euh, le palais. En fait, on fait un pansement très localisé euh, en coulant un composite fluide euh, dans un treillis euh, dans un tri de fil de suture résorbable. Exactement comme si, euh, je ne sais pas, vous avez certainement vu euh, euh, des ouvriers sur un chantier couler du béton armé. Bah, c'est exactement pareil, version composite. Et euh, ça permet de, pr de, de protéger le palais euh, sans qu'on euh, ait à portée euh, de plaques palatines hyper désagréables euh, et sans que euh, le patient ait à s'en soucier, puisque euh, c'est local, ça dépasse pas, c'est autonome, ça bouge pas. Et en plus, ça fait hémostase. Bref, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma, ma, ma pratique et, et ma façon de, de voir les prélèvements ces, ces dernières années. Dernier point, la modularité. Et là, on commence à toucher au but. Si vous regardez à gauche et à droite, on a deux cas cliniques différents. Euh, mais en première, euh, en première analyse, concours à peu près au même but, c'est de parvenir au recouvrement radiculaire. maintenant, est-ce que ces deux cas cliniques ont quelque chose en commun à part ça? la réponse, c'est clairement non. ils sont totalement différents dans le concept biologique, dans l'indication, dans la méthodologie de travail. Euh, du côté gauche, on a un épaississement global du biotype, une création de tissu kératinisé et la préservation de la profondeur du vestibule buccal, sans migration de euh, la jonction, euh, pardon, sans migration de la ligne mucogingivale. À droite, c'est tout à fait différent. On a un épaississement très localisé du biotype. En clair, on a positionné des micro-griffons qui ont compensé les concavités radiculaires au niveau des usures. On a euh, un tissu caratinisé euh, qui est inchangé, pas plus, pas moins. On a exactement les mêmes tissus qu'avant. Simplement, on les a déplacés en direction coronaire et localement épaissie avec des micro-greffons. ça veut dire qu'on a réduit la profondeur du vestibule. donc deux euh, procédures différentes que j'ai choisies parce qu'elles sont euh, assez antagonistes. Euh, mais l'idée, c'est que une, euh, un concept de traitement en chirurgie parodontale doit être suffisamment plastique pour vous permettre, avec une seule et même approche, de générer ces, des résultats aussi différents que ces deux-là. et on en vient euh, au concept de traitement euh, basé sur la tunnelisation, euh, qui est le cœur du, euh, du livre édité par Quintessence, on va voir les indications et les principes de traitement. Alors, voilà l'histoire. En fait, euh, on a différents types d'interventions chirurgicales, mais qui toutes sont basées sur euh, la tunnelisation. Toutes ces interventions sont une arborisation de la tunnelisation. Alors, selon qu'on va utiliser un greffon ou pas selon que euh, ce greffon va être exposé ou au contraire enfoui, selon qu'il va être de toute petite taille ou de taille conventionnelle, eh bien, on va avoir une intervention chirurgicale différente, avec une indication différente, avec euh, un concept biologique différent, avec des effets cliniques différents. Et là où euh, le, le, le côté... Euh, euh, multiples de, de, de la tunnelisation est intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner l'ensemble de ces interventions pour adresser au sein d'une même intervention toutes les situations cliniques différentes qui peuvent se présenter sur chaque dent, parce qu'on peut combiner toutes ces interventions en une seule. Parce que l'ancêtre de toutes ces interventions, c'est la tunnelisation. D'un point de vue des indications de traitement, on ne va pas faire compliquer. On a juste quatre Facteurs facilement identifiables euh, à analyser. Et il faut les considérer dans cet ordre-là. Premier facteur, qu'est-ce que j'ai comme tissu caratinisé Est-ce qu'il m'en reste, est-ce qu'il ne m'en reste pas suffisamment Est-ce que j'ai un vestibule profond euh, Est-ce que j'ai un vestibule buccal profond ou pas C'est le deuxième facteur. Troisième facteur, est-ce que mon biotype gingival est épais ou au contraire, est-ce qu'il est fin ou intermédiaire Dernière question à se poser, est-ce que j'ai une concavité radiculaire En clair, est-ce que j'ai des abrasions au niveau de mes racines ou est-ce que j'en ai pas eh bien, En fonction euh, des réponses qu'on qu apporte à, à, à chacune de ces questions, dans cet ordre-là, eh on va naviguer entre ces différentes interventions euh, que je vais décrire maintenant. Première intervention, la translation. Alors, la translation, on l'utilise quand on a du tissu kératinisé à profusion, un vestibule buccal profond, un biotype épais et pas de concavité radiculaire. L'idée, elle est très simple. On a un site chirurgical, on tunnelise et puis on va recouvrir les récessions en déplaçant les tissus que l'on a tunnelisés. La cicatrisation se fait par un processus de première intention, donc on n'a pas de création de tissu caratinisé et on n'a pas non plus d'épaississement du biotype, tout simplement parce que cette procédure n'est pas une greffe. C'est un déplacement tissulaire sans incision visible. Voilà typiquement le cas euh, d'un euh, patient qui se prête particulièrement bien à cette approche. Euh, C'est un patient jeune qui se plaint euh, beaucoup euh, de sensibilité dentaire, bien que les récessions ne soient pas très grandes. Son biotype est, est plutôt épais le vestibule est profond. Euh, ce que l'on reproche finalement à, à, à sa gencive, c'est d'être mal situé, d'être situé trop acupicalement. Euh, mais en réalité, euh, les autres paramètres de sa gencive sont assez bons. Donc, on tunnelise. La tunnelisation permet un déplacement en direction coronaire sans tension. Euh, et on va ensuite positionner euh, harmonieusement euh, la gencive le long de la jonction amélo-sémentaire, idéalement un millimètre ou deux. Coronairement à la jonction améliocémentaire, de manière à anticiper euh, une certaine contraction euh, qui se fait euh, assez souvent euh, suite euh, à un processus cicatriciel. Est-ce qu'on peut surcorriger Est-ce que c'est un problème C'est très difficile de surcorriger. Euh, très honnêtement, euh, l'émail, c'est une sorte de toboggan pour la gencive. Donc vous pouvez surcorriger autant que vous voulez. Euh, à la fin, les tissus vont retomber exactement le long de la jonction euh, amélo-sémentaire. Alors, ces tissus, euh, ils ont été repositionnés par la technique ceinture et bretelle dont je vous parlais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dite c'est que le matelassier horizontal du concept ceinture et bretelle, qui est donc une association entre deux matelassiers verticaux et un matelassier horizontal, il a une petite particularité c'est qu'il n'est pas positionné en fonction de l'axe de la dent. En fait, il est positionné spécifiquement en fonction de l'axe des récessions. Et donc, si vous avez, par exemple, comme ici, une récession qui est légèrement oblique, qui part légèrement en distal, eh bien, elle va être corrigée par torsion de la gencive parce que le matelassier horizontal est spécifique de l'orientation de la dent. Il n'est pas euh, standard, il est spécifique de chaque dent. Voilà la cicatrisation à une semaine. Et euh, le résultat, après au moins euh, six mois de, de cicatrisation, les, les, euh, les tissus sont, sont harmonieusement euh, repositionnés. Mais est-ce qu'il y a une autre différence que ça entre la photo de droite et la photo de gauche Aucune. Euh, on a simplement euh, une réharmonisation des tissus. Pas plus de tissus caratinisé, pas un biotype plus épais. C'est une translation de tissus. Là, on change de famille de, de traitement. On rentre dans les greffes. Et euh, parmi les greffes, euh, vous avez les greffes exposées et les greffes enfouies. Là, très clairement, on est dans les greffes enfouies. Et euh, les greffes enfouies, elles peuvent faire appel à des micro-greffons ou à des greffons de taille conventionnelle. Ici, on va parler des greffons de taille conventionnelle. Euh, alors, quand est-ce qu'on utilise, euh, est -ce qu utilise ces, euh, ces, ces greffons Il y a un petit défaut à l'écran, je ne sais pas si vous l'avez. Euh Ouais, qui a disparu. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces, 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 ces greffes euh, de, de tissus conventionnels euh, Eh bien, euh, lorsqu'on a du tissu caratinisé, mais euh, lorsqu'on a un, un, un vestibule profond, mais qu'on a un biotype fin ou intermédiaire, à ce moment-là, qu'on ait ou pas des concavités radiculaires, ça ne change rien. On va utiliser un greffon euh, conventionnel que l'on va enfouir. L'idée, c'est de préparer les tissus par, par tunnelisation euh, et puis euh, ensuite euh, d'insérer le greffon et de déplacer l'ensemble formé par les tissus de surface et le greffon sous-jacent qu'on aura pris soin de bien enfouir sans l'exposer du tout. Et c'est euh, ce déplacement tissulaire de, du couple greffon-tissu tunnelisé qui va fournir euh, le recouvrement radiculaire. Il n'y a pas de création de tissu caratinisé, on va juste épaissir le biotype euh, on n'a pas plus de gencives qu'avant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cicatrisation de seconde intention. Euh, le greffon, il est présent, mais il est enfoui. Et donc, une cicatrisation de première intention ne conduit pas à une création de tissu, mais juste à un épaississement. Un cas euh, assez ancien qui se, prête, euh, qui se prête assez bien à ce, euh, à ce, type, de, à ce type de traitement. Euh, un cas assez ancien, je, je le disais d'abord parce que... En, on voit que les photos sont faites au flash annulaire, ce qui est assez, ce qui est assez laid. Euh, mais on le voit aussi à la taille des greffons. Vous voyez en haut à gauche, euh, des greffons bien à l'ancienne, bien larges, bien hauts. Euh, C'est typiquement plus quelque chose que je traiterai de, de la même manière. Euh, J'utiliserai beaucoup plus des, des greffons bandelettes, comme, comme ceux que vous avez pu euh, voir dans le, euh, dans le chapitre précédent. Donc, même si ces greffons ne sont pas très actuels, euh, ils sont positionnés euh, dans le tunnel, minutieusement enfouis, et la cicatrisation à une semaine euh, est assez rapide, euh, en dépit de la qualité des greffons qui n'est pas très bonne. Euh, et donc, on repositionne les tissus, on épaissit euh, le biotype. Euh, en épaississant le biotype, on favorise euh, évidemment la stabilité à long terme des résultats de l'intervention. Euh, mais par contre, euh, on a euh, légèrement réduit la profondeur du vestibule parce que euh, cette, euh, ce recouvrement radiculaire provient euh, du déplacement des tissus natifs, accessoirement avec un greffon sous-jacent, mais, mais euh, les tissus natifs ont été déplacés. Autre famille de greffes, les microgreffes, toujours des greffes enfouis. Alors, les micro-greffes, euh, on les utilise quand on a du tissu euh, kératinisé euh, à profusion, euh, lorsqu'on a un vestibule profond, un biotype épais, mais des concavités radiculaires. En clair, lorsqu'on a une usure, une abrasion euh, de la racine. Évidemment, sous-entendu, euh, pas de, de perte de la jonction amélo-sémentaire. Si tel est le cas, un mois avant les traitements, évidemment, euh, cette jonction euh, aurait dû être reconstruite en, en composite. Le principe biologique, c'est exactement le même. Que euh, pour la greffe précédente, c'est-à-dire pour la greffe de taille conventionnelle, euh, la seule différence, c'est que les greffons sont extrêmement petits euh, et que euh, l'augmentation du biotype est très localisée. Ça veut dire qu'on ne va pas globalement épaissir le biotype, ce qui, par exemple, dans ce cas-là, aurait été extrêmement euh, disharmonieux. C'est un patient qui a des usures au niveau de ses racines, mais il a un biotype ultra épais. Si on utilise un greffon euh, conventionnel euh, chez ce patient, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un surépaississement des tissus. Ce sera très inharmonieux et en plus, on risque d'avoir un phénomène constant de surépaississement avec le temps euh, parce que euh, greffon euh, de grande taille sur biotype épais, c'est souvent à l'origine de stécages euh, année, euh, année après année. Sans parler euh, évidemment de la pénibilité du prélèvement. Donc là, c'est un cas qui se prête particulièrement bien au micro-greffon. On prélève euh, un greffon qui n'est pas très grand, hein, qui doit faire euh, à peu près euh, la largeur des deux incisives centrales, et ensuite on le subdivise en micro greffons. chacun de ces micro-greffons venant trouver sa place et pouvant être orienté librement en fonction de l'anatomie de la récession, l'idée étant simplement de compenser les concavités radiculaires là euh, où euh, elles se trouvent. La cicatrisation à une semaine, avant et après dépose des fils de suture, assez rapide, comme toujours, avec un, la tunnelisation et deux, euh, l'utilisation de greffons enfouis, ici des micro-greffons, mais, mais ce qui compte dans la rapidité de cicatrisation, c'est l'enfouissement. Et donc, in fine, euh, on a euh, un biotype qui n'est pas épaissi. On a le même biotype qu'au départ, donc on a quelque chose d'élégant, mais par contre, on a compensé les concavités radiculaires par l'adjonction de greffons très 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 réduits, euh, ces, concavités, enfin, ces, ces greffons n'étant destinés qu'au soutien des tissus de surface en recouvrement de zones concaves. Dernière famille de greffes, la plus atypique, euh, les greffes exposées. Alors là c'est très simple, euh, soit on n'a pas de tissu caratinisé, là on ne se pose pas de questions on expose soit on a du tissu caratinisé mais on a un vestibule tellement court que on n'a pas envie de déplacer les tissus en présence pour ne pas raccourcir le vestibule. dans ces deux cas de figure on va avoir tendance à utiliser euh, des greffes de tissu conjonctif exposé. alors le principe euh, on l'a déjà un peu entreaperçu avec euh, certains cas euh, que vous avez vus en, en début de présentation le principe c'est d'exposer volontairement le greffon sur toute la hauteur des récessions. Le recouvrement radiculaire ne provient que de la cicatrisation de seconde intention et de la revascularisation du greffon. Il n'y a absolument pas de déplacement de la ligne mucogingivale parce qu'il n'y a absolument pas de déplacement des tissus natifs. Euh, par conséquent, le vestibule euh, buccal reste parfaitement inchangé, ce qui par exemple est, est absolument stratégique dans les zones mandibulaires antérieures. Euh, et euh, quant au biotype gingival, il est évidemment épaissi puisque la procédure... Euh, relève de la greffe et tout ça repose sur une cicatrisation de seconde intention voilà typiquement euh, euh, un cas euh, là encore assez ancien euh, on, on voit les, les flashs annulaires euh, mais qui est assez euh, que j'aime bien parce qu'il est assez symptomatique de, de, de ce type d'intervention ce euh, l'idée c'est que on va tunneliser on va euh, mettre en place euh, un greffon conjonctif qui est taillé pour euh, correspondre à peu près à aux dimensions de, du défaut. Et euh, il va être positionné de telle manière à ne pas du tout déplacer euh, le fond de vestibule. Euh, il, est il est positionné de manière à ce que les récessions soient exclusivement couvertes par euh, l'exposition du greffon. Et c'est tout. Au bout d'une semaine, euh, on a une certaine souffrance tissulaire. Hein, vous vous souvenez Zone verte, zone orange, zone rouge. Dans la zone rouge, c'est plus lent, euh, mais ça se passe plutôt bien. On a une petite zone un peu fibrineuse. Euh, la zone verte est déjà euh, complètement vascularisée, la zone orange aussi. Euh, donc les choses vont assez vite. Euh, et là, je parle de la récession principale, hein, de la récession en 31, la récession en 41. Euh, les choses sont déjà, euh, déjà terminées à ce stade. Euh, et voilà, au bout de, tel que, au bout de, de, quelques, de quelques mois, en réalité, euh, je crois que sous cas, ces photos ont, ont quelque chose comme deux ans, plus trois ans de recul, deux ans, de, au moins deux ans. Eh bien, euh, on va avoir une reconstruction qui euh, s'affirme et qui se stabilise euh, avec, euh, on le voit bien en vue euh, en vue une continuité euh, des tissus euh, qui est assez parfaite entre les tissus euh, préexistants et, et, et les tissus reconstruits. Et ça, c'est tout à fait typique euh, de l'utilisation de, de, de greffons conjonctifs. Euh, cette intégration visuelle, euh, chromatique, euh, structurelle, elle est, elle est vraiment typique de l'utilisation des greffons conjonctifs qui n'emmènent pas euh, d'informations, euh, ni de texture, ni, euh, ni de, de couleur. Euh, ce qui permet ce type, de, ce, type de, ce type de résultat, avec donc une création de tissu caratinisé, sans euh, pour autant avoir euh, de réduction des paramètres euh, euh, du vestibule buccal. Et voilà en vue occlusale euh, la différence entre l'avant et, et, et l'après-greffe. Dernière, euh, dernière, dernier type. Euh, de greffe, en fait, c'est pas un type, c'est euh, la résultante euh, de, du fait que toutes les interventions qu'on a vues là, euh, jusqu'ici, la translation, euh, la greffe euh, exposée, les greffes enfouies, toutes ces, toutes ces interventions euh, sont faites à partir de la tunnelisation. Et parce qu'elles sont faites à partir de la tunnelisation, en réalité, on peut tout combiner euh, pour traiter des cas. Complexe ou telle dent a besoin de euh, telle procédure, telle autre dent a besoin de telle autre procédure. Euh, et on va voir ça avec un exemple qui est un peu spécial, mais du coup que j'aime bien. Euh, voilà une situation qui est un petit peu complexe et un petit peu atypique en réalité. D'abord parce que il euh, y a plein de fentes de Stillman. Alors elles sont difficilement perceptibles euh, sur un écran. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté. Euh, ces petites, euh, ces petites euh, virgules blanches que vous voyez à l'extrémité de, de certaines récessions. Euh, les fentes de Stillman, euh, elles ont été euh, décrites par Stillman, hein, évidemment. Euh, et en fait, ce sont des, euh, des pertes tissulaires, un peu comme des canyons, très fins, très profonds, euh, qui vont jusqu'à la racine et qui peuvent prolonger une récession déjà existante comme une virgule, exactement comme ce que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas hyper fréquent. Euh, mais, euh, mais ça peut exister. Et alors, évidemment, elle pose un certain nombre de problèmes euh, puisqu'il n'y a pas de matière. Hein. C'est une forme de steelman, c'est un canyon, un canyon gingival. Il y a une deuxième particularité. Euh, L'anatomie la, gingivale, au niveau de, de, de la 21, euh, elle est un peu spéciale. Euh, elle fait euh, en réalité un, un W, euh, un peu comme une vague, et euh, c'est toujours un petit peu compliqué ces récessions euh, avec des anatomies comme ça très marquées sur des biotypes épais. Donc, on, on va avoir un petit peu de mal à transformer un W en un joli C. Il euh, y a une méthode pour, pour obtenir ça, euh, mais du coup, ça c'est une, une, une petite exception à la règle qu'on s'est fixée. On va voir ça. Donc, première étape euh, comment traiter euh, la zone antérieure bah, La zone antérieure, il n'y aurait pas les fentes de Stillman, c'était typiquement euh, un greffon conjonctif euh, de type, type micro-greffon, ça, euh, ça passait très bien. Sauf que là, on a des fentes de Stillman. Donc en fait, on a un grand manque de tissu kératinisé. L'extrémité des fentes de Stillman, elle est très proche euh, de euh, la ligne muco-gingivale. Donc, pour la zone antérieure, ce sera un, euh, une greffe euh, de tissu euh, de tissus conjonctifs partiellement exposés au niveau des fentes de Stillman. La deuxième particularité, euh, c'est cette anatomie en W, euh, qu'il est honnêtement très difficile à, à corriger sans apport de, de greffon ou avec un greffon enfoui. Là, il faut exposer le greffon de manière à créer une nouvelle forme, un joli C. Et puis prémolaires, là on est typiquement euh, dans une indication de, de micro-greffe. Euh, on a des, des concavités euh, substantielles, mais on a un biotype épais, un vestibule profond, etc. etc. Euh, donc on tunnelise, on prélève euh, deux greffons qui sont subdivisés en deux greffons principaux et deux sous-greffons. Euh, les sous-greffons étant destinés euh, aux, aux prémolaires, donc aux au micro-greffon micro enfoui, et les deux longs greffons étant destinés au secteur antérieur. Euh, on retrouve ces, ces, cette notion de, de greffon bandelette, hein, inutile de, de prélever, de prélever extrêmement, extrêmement haut, extrêmement large. Et ici, sur cette vue, on voit bien la différence d'insertion de, de greffon. Un micro-greffon, ça s'insère dans, dans le tunnel de façon verticale. Et un greffon euh, conventionnel euh, ou un greffon exposé, euh, ça s'insère de façon latérale. Voilà la situation en fin d'intervention. Euh, alors si vous avez un, un écran assez, euh, assez grand euh, que vous pouvez voir en gros plan, vous verrez en fait que le greffon est exposé partout au niveau des fentes de Stillman dans le secteur antérieur et légèrement... Euh, ici, de manière à euh, créer une zone qui ressemble à un C et pas à une vague. Au niveau des, des zones postérieures, au niveau des prémolaires, au contraire, on a un enfouissement total des euh, micro greffons Voilà la cicatrisation euh, à une semaine, un tout petit peu plus lente et un tout petit peu plus chaotique qu'une cicatrisation de greffons enfouis, du fait des petites expositions euh, au niveau des fentes de Stillman, mais comme les fentes de Stillman sont des structures qui sont relativement. Euh, euh, relativement peu profonde, euh, ça, ça cicatrise quand même relativement vite. Euh, voilà la cicatrisation après euh, plus de six mois. On a une, une, assez, bonne, une assez bonne stabilité euh, et on a retrouvé, entre autres, euh, euh, une anatomie euh, harmonieuse, euh, particulièrement dans le secteur antérieur et les fentes de Stillman euh, ont disparu. Euh, alors, quel est le, je vous disais en, en introduction de, de, de la communication que les, euh, la tunnelisation était à mon sens une, une approche qui permettait de, de traiter un très très vaste éventail de situations cliniques. Euh, ben, en fait, euh, ce, selon moi, évidemment, ça n'engage que moi, euh, les récessions de classe 1 et de classe 2, euh, il, faut les, il faut les traiter avec un concept de traitement basé sur sur la tunnelisation. Ça me semble euh, à la fois euh, pertinent, euh, sécurisant, euh, à la fois euh, esthétique et fonctionnel, euh, ce, euh, ce serait à mon sens dommage de s'en priver. Euh, la classe 3, on va le voir un peu plus tard, c'est un peu plus complexe. Euh, la décision de traitement, elle est essentiellement basée sur l'anatomie de la classe 3. Et en fait, autant le, les classes 1 et 2 ou 4 sont, sont très uniformes, elles se ressemblent toutes, euh, autant la classe 3, il peut y avoir des variations assez importantes. Et qui vont conditionner le type d'approche chirurgicale. Euh, la classe 4, c'est facile. Soit on fait rien, euh, s'il n'y euh, a pas d'enjeu euh, fonctionnel. Euh, soit on fait une grève gingivale libre euh, à l'ancienne, euh, s'il y a un enjeu fonctionnel et qu'on a besoin d'un apport de tissu kératinisé ou d'approfondir le vestibule. Mais en tout cas, euh, le, le greffon, euh, enfin le, le concept de traitement, un concept de traitement basé sur le tunnel ne, ne va rien apporter dans ce cas-là, car l'anatomie de la récession est, est complètement plate. Alors, pour les classes 3, en fait, il y a deux types de classes 3. Pour faire simple, euh, vous avez des classes 3, c'est le cas du cas clinique à gauche, avec, une faible, euh, avec un faible festonnage, c'est-à-dire un faible écart entre le haut de la papille et le bas de la récession. Et puis, vous avez euh, les classes 3 avec un fort festonnage, c'est-à-dire avec un fort écart entre le haut de la papille et le bas de la récession. Eh bien, les classes 3 avec un festonnage fort, Typiquement, on peut les traiter avec une tunnelisation et une exposition de greffons, de manière à recréer euh, des tissus dans le sens vertical, à maintenir la profondeur du vestibule, à recouvrir la racine. Okay. Si maintenant, on a très peu euh, de festonnage, en fait, on n'a rien à exposer. Donc, on n'est absolument pas capable de traiter euh, de façon euh, euh, suffisamment probante ce type de de situation avec un greffon conjonctif fut-il exposé. En fait, on va faire une, une greffe libre de manière à approfondir le vestibule, à créer du tissu kératinisé, parce qu'ici, en l'occurrence, il y avait un enjeu fonctionnel de, de nettoyage. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que qui dit greffe libre ne dit pas forcément greffe épithélio-conjonctive. En fait, l'idée, c'est que si vous désépithélisez euh, le tissu conjonctif, comme c'est fait ici, euh, on va avoir une plus jolie euh, intégration tissulaire euh, avec les mêmes effets fonctionnels qu'une qu greffe euh, épithélio-conjonctive, mais en ayant un tout petit peu moins d'impact euh, visuel négatif. Euh, voilà, alors est-ce que, est -ce que cette philosophie de traitement a un impact en implantologie euh, Ce n'est pas du tout le, le débat d'aujourd'hui et, et je, vais, euh, je vais survoler ça très vite parce que ça fait déjà une bonne heure que je parle et je m'étais promis de ne pas parler plus qu'une heure. Euh, deux choses très simples. La première, vous avez compris que dans beaucoup de cas, euh, les greffes épithélio je leur trouvais euh, disons, un charme suranné, euh, un peu désuet, euh, et que je les utilisais plus. Alors, c'est vrai, dans beaucoup de cas, en chirurgie mucogingivale péridentaire. En revanche, c'est une procédure extrêmement, extrêmement fréquente dans mon activité du moins, en implantologie, en secteur postérieur. Et très franchement, euh, poser des implants en zone mandibulaire postérieure euh, devrait absolument impliquer de savoir faire ce type de reconstruction euh, où on va recréer euh, tout le tissu caratinisé manquant euh, de manière euh, à pouvoir assurer à des implants. Euh, situé dans, dans ces zones mandibulaires postérieures, un bon pronostic euh, à la fois à court, moyen euh, et long terme. Et ça, c'est pas réalisable quand on a peu de tissu ce C'est pas réalisable quand on a un vestibule trop court. Donc, tant la profondeur de vestibule que la quantité et l'épaisseur de tissu caratinisé conditionnent euh, à évidemment hygiène égale, hein, comparer ce qui est comparable, conditionnent à hygiène égale. Euh, le, le pronostic de, de vos futures reconstructions implantaires. Maintenant, et, et je terminerai là-dessus, euh, si on parle maintenant un peu plus de, de secteur esthétique, est-ce qu'on peut traiter les récessions euh, autour des implants euh, via euh, des, euh, des micro greffons par exemple, et, euh, et, et les, la, la technique de suture euh, ceinture et bretelles La réponse est bien entendu. Euh, ça marche aussi euh, euh, très bien. Euh, les, les indications. Euh, sont, à près, euh, sont à peu près les, euh, les mêmes euh, tant que on a une surface euh, implantaire euh, saine. Lorsque on est dans la périimplantite, c'est un autre univers euh, et, et il, faudrait, euh, il faudrait beaucoup de temps pour euh, pour euh, distinguer les, les différents cas. Euh, qui se présente, et c'est pour ça que je le ferai pas ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup tous pour votre présence. Je remercie beaucoup Jérôme pour m'avoir offert cette, cette tribune dans ABCDAN. Et si certains d'entre vous sont, sont intéressés par l'ouvrage édité par Quintessence, le QR code que vous voyez ici à droite est un, un QR code qui vous renvoie vers le, le site de Quintessence, le site pour commander le livre. Voilà, qui est encore, je crois, en précommande, donc en promotion jusqu'à demain soir. Profitez-en. Eh ben, merci beaucoup, Vincent. C'était franchement euh, complet. C'était super. Toi, hein. on, est, on est sur des concepts, euh, je, je, je parle euh, voilà, hein, comme, je, comme je le sens, on est sur des concepts qui sont relativement différents, toi et moi, mais c'est hyper intéressant d'avoir quand même une approche qui est très très construite. La, la complémentarité, euh... c'est beau, Julien. Ah ouais, non, 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 <laughs> c'est pas du tout un, un jugement ou quoi que ce soit. Je, je trouve ah, que, que c'est le, le fruit d'un travail de, bah de, 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 de maturation euh, qui est, qui est assez, assez fort, quoi. Donc, euh, franchement, bravo. Et ça a généré effectivement pas mal de questions. Alors, euh, Jérôme, est-ce que tu veux que je relaie certaines qui m'ont paru euh, pertinentes, on va dire bah, écoute, non, bon, je, vais cas, laisser, a, je vais te laisser. Il y a des points trier. qui sont revenus plusieurs fois. Hein. Je vais te laisser trimer directement. Alors, il ouais, y, a, y, a y a des points très très simples qui sont euh, vraiment euh, en rapport avec le, les protocoles. Donc, notamment, euh, est-ce que tu as alors, euh, bon, des, des, des choses à dire sur euh, euh, le, 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 les recommandations patients post-opératoires par rapport notamment euh, aux greffons exposés Il y a certaines personnes qui demandent s'il y a des particularités, euh, des précautions particulières pardon, à prendre sur ces ces greffons exposés Oui, il euh, y, y a tout un guideline très particulier. Il euh, y, y, y a deux pages doubles qui ne traitent que de ça dans, dans le bouquin, donc ça va ça va mettre difficile de tout décrire. Mais, ouais, pour, pour, non, faire, mais... Pour, pour faire assez simple, euh, le, la revascularisation d'un greffon très exposé est basée à la fois sur euh, sa non-infection et... Euh, sur son absence de mobilité. Donc en clair, si on nettoie trop fort, ça bouge, les anastomoses se font pas, et si on nettoie pas, ça merde parce que ça se nécrose. Donc il faut trouver le juste milieu, et le juste milieu, il m'a semblé, euh, en tout cas c'est ce que je recommande, c'est dans la première semaine, un nettoyage euh, normal partout ailleurs, sauf dans la zone euh, exposée où on va simplement euh, faire des bains de bouche et appliquer du gel euh, antiseptique. Euh, trois fois par jour. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, on commence à nettoyer avec une inava 7 centièmes, toujours euh, avec du gel. Et au bout de deux semaines, en général, on est quand même très avancé dans la procédure de, de revascularisation, mais surtout de, de re puisque la re allait elle est, elle est quasiment terminée à trois semaines. Donc, entre deux semaines et trois semaines, on est déjà beaucoup plus protégé et on peut se commencer, on peut commencer de, à, à se permettre de brosser mmh. et de repasser les brossettes puisque les fils de suture sont en règle générale déposés à une semaine post-op. D'accord. Dans tous les cas. Ok. Donc que tu exposes ou que tu n'exposes pas. Euh, que j'expose ou que j'expose pas, mais a fortiori, euh, euh, fortiori, si euh, si j'expose pas, puisque les, euh, la cicatrisation est encore plus rapide. Ouais. D'accord, bon, ça, ça c'est relativement clair. Il euh, y a quelque chose que j'ai vu passer là qui me, qui me semblait franchement intéressant et que je viens d'oublier. Est-ce euh, bon, que tu fais exclusivement du tunnel euh, Tunnel ou, ou greffe euh, épithélio-conjonctive euh, déguisée, puisque c'est surtout de la greffe conjonctive traitée comme une graisse libre euh, que je fais maintenant. D'accord. Euh, alors, on me signale qu'on ne me voit pas. Est-ce ah, oui. que je dois allumer ma lumière Allume un petit peu peut-être. Ouais, tu pourrais, ouais. Effectivement. <laughs> oui, voilà, effectivement. Oui. A... Ma et maintenant, on me voit trop, c'est bien ça On te voit bien, c'est bien. <laughs> tu as la lumière sur toi, c'est tu, tu es lumineux. Il <laughs> euh, y, y a quelque chose en fait qui, qui est intéressant. Alors, tu, tu vas me répondre, ça, ça va pas être très compliqué. Mais en fait, comme ça, ça... ça... C'est très fort dans ton arbre de décision. C'est comment tu, tu définis le biotype épais, le biotype. fin. est-ce que tu utilises un instrument particulier Il y a des sondes qui existent, c'est Freddy par exemple, ou c'est euh, la sonde Paro. Est-ce que je vois à travers Est-ce que je vois pas à travers mes tissus Est-ce que. Alors, c'est -ce la, la, la dernière option, très très, très, très basique. Euh, après. Euh, c'est toujours euh, il, faut, il faut il faut pas il faut pas généraliser. Je m'explique. Donc pour répondre directement à ta question, c'est oui, euh, c'est en utilisant euh, une sonde parodontale conventionnelle mmh. euh, que on définit euh, si un biotype est euh, allez, épais ou pas. Il hein. faut être très le hein. ouais, Type intermédiaire, c'est entre les deux. Alors comment on fait ben, on rentre une on rentre la sonde dans le, dans le sulcus, on appuie un petit peu, et puis on voit si on voit les graduations par transparence. Première, première possibilité. Deuxième possibilité, euh, on prend le plat de la sonde et on appuie sur les, sur les tissus. Et si on voit une zone blanche se former par ischémie, c'est que les tissus mmh. sont fins. Euh, si au contraire, on appuie et ça change rien visuellement, euh, eh bien les tissus sont épais. Okay, maintenant, euh, il faut regarder où on mesure. Parce qu'il euh, peut tout à fait arriver que si, vous regardez une photo, euh, si tu regardes une photo d'ensemble euh, d'un patient, tu as un biotype très épais. Mais à l'apex des, des récessions, là où la récession commence, là, le biotype ouais. il est fin. Et donc, il ne faut pas juger un biotype euh, à l'aune d'une euh, vision globale. C'est le biotype là où on travaille. D'accord. Et d'autant plus que tu peux avoir des biotypes en fait épais et à côté un biotype plutôt fin. Oui, c'est tout à fait en fonction du positionnement de la dent sur l'arcade. Okay. Ouais. j'ai bien compris qu'on était, on était sur un concept dent par dent. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu as une dimension minimum On a demandé ça aussi du, de la taille des micro Jusqu'à combien tu es descendu que, voilà, Je pense que tu as, as quand même répondu dans la, dans la conférence, puisque tu, tu mesures finalement en bouche ce qui est manquant. Tu viens soutenir le, le, le tissu kératinisé. Oui. Est-ce que tu peux, tu peux reprendre un peu ce point c'est vraiment fonction du besoin. Euh, tu as vu, ces, ces micro ils sont en général euh, soit cubiques, soit parallélépipédiques. Ouais. Euh, leur épaisseur dépend de, de, de la compensation à apporter euh, et leur surface dépend de la surface euh, de l'anomalie dentaire existante. Donc on peut descendre aussi bas qu'on en a besoin ou monter aussi haut qu'on en a besoin. il a pas de, euh, la règle c'est le cas par cas. Et alors euh, l'autre question du coup toujours sur des histoires de dimension jusqu'à est-ce que tu as, t as un, un, une sorte de, de palier par rapport à l'exposition de ton greffon Est-ce que il tu, 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 y, y a un moment tu te dis oulala là là, non là en fait ça va être beaucoup trop exposé et... Non il il y, y, y a nos limites. Il euh, y a, a nos no limites. Euh, simplement, il y a une précaution oratoire. Globalement, un greffon enfoui, que ce soit un micro-greffon, euh, un greffon conventionnel, euh, tu peux à peu près dire ce qui va se passer. Donc, mm. en, en gros, tu es, es très très prédictible. Sur des grosses expositions massives, euh, et encore une fois, il n'y a pas de limite. Euh, il y a simplement une précaution oratoire qui est, qui, est, qui, est, qui est utilisée lors du consentement éclairé avec le patient en lui disant écoutez, voilà, euh, vous avez une situation qui est extrêmement euh, extrêmement euh, euh, demandeuse. Euh, il n'est probablement pas possible, même si souvent ça se passe, de mmh. recouvrir l'ensemble de la récession en un seul temps chirurgical. On va avoir une première intervention où on va faire une bonne partie du travail et probablement une deuxième, plus simple, avec un prélèvement plus réduit pour parachever les traitements. Et en fait, si tu dis ça au départ, euh, ton patient, il ne perçoit absolument pas euh, le fait que tu travailles en deux temps comme un échec. Il perçoit simplement ça comme une étape. Et en fait, c'est une étape. Sauf que le, le côté un peu génial du truc, c'est que assez souvent, euh, c'est bingo en une seule intervention. Et c'est ouais. là où c'est plaisant. Euh, et où tu génères quelques sourires chez, chez tes patients, mais tu ne peux pas leur promettre. D'accord. Donc il y a, y a vraiment un, un travail d'information euh, au départ mais c'est ouais, ouais, il ne faut pas chose. être pris en défaut jamais. Ouais, donc, ouais. Il faut anticiper et, et connaître les limites de ces, euh, à la fois les limites et les avantages de ces, de, de, de ces, de ces méthodes de traitement. Euh, en l'occurrence, la, 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 la tunnelisation présente un certain nombre d'avantages euh, très clairs hein, pour ce qui est des, des reconstructions verticales. Euh, du fait du, du, de la conservation de l'apport vasculaire ouais. mais et du coup Le miracle, oh, vas -y, vas -y. Les, les mais, mais euh, la biologie il faut être modeste hein. c'est elle qui décide hein. <laughs> ah bah, c'est elle qui gagne à la fin de l'histoire c'est toi qui joues, mais des fois tu perds, des fois tu gagnes hein. ouais. alors euh, encore sur cette exposition parce que là il y a une question qui vient de tomber qui est relativement intéressante est-ce qu'on peut utiliser des substituts alors en exposition, euh, bah, oui, je, je connais la C'est très très, <laughs> très très poussif. Euh, non, il peut, il peut y avoir euh, des ne bon, on va pas citer de marque, hein, mais il y a un certain nombre de, de, de membranes ouais. un peu spéciales ou de matériaux un peu dufteux, que tout le monde tout le monde aura suivi, euh, qui peuvent être utilisés. Euh, sauf que euh, en termes de en terme de reproductibilité et de qualité des résultats mmh. en exposition, on est très très loin du gold standard qui est le, le tissu conjonctif du patient. Euh, clairement, et, et même en enfouis, je bref, je suis pas sûr euh, de de la pertinence à long terme de, des résultats qu'on obtient avec oh ouais, des substituts. D'autant plus qu'aujourd'hui, en réalité, le, le prélèvement, puis tu l'as très bien décrit, la gestion du site, notamment, c'est plus du tout en fait euh, ah, euh, quelque rien chose à voir. Qui, doit être, qui est bloquant, quoi. Ouais, est, ah, c est, c est, alors, ça, bon, faut, faut pas être angélique non plus. Hein. Euh, non, ça, mais... ça reste. Ça reste une épreuve, mais c'est une épreuve qui est beaucoup plus tolérable que, euh, que précédemment. Le, le fait de réduire la taille des greffons, le fait de protéger avec des systèmes euh, autonomes, euh, très ponctuels comme, comme ces, ces composites fluides, euh, franchement, ça change la vie. Hein. D'ailleurs, à propos du compo, on a une question. Est-ce que euh, le compo irrite le site d'honneur euh, bah, À long terme, il pourrait. Euh, le, le truc, c'est qu'à une semaine, on l'enlève. En fait, euh, il ne fait office. Enfin, finalement, dans un, dans un prélèvement, qu'est-ce qui est désagréable euh, C'est, euh, un, le risque hémorragique. Donc, avec ce type de de, 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 de composite compressif, on va pas l'avoir. Mmh. Enfin, on va pas l'avoir. On va l'avoir rarement. On peut toujours avoir des complications, mais c'est très rare. Euh, D'une part. Et d'autre part, c'est la, la première semaine de cicatrisation où il se forme le, le terrain fibrineux, là, de, de fond de cavité. Mmh. Euh, et bien, ça, c'est quand même, c'est la période désagréable, c'est la première semaine, et c'est euh, c'est ça que le composite euh, est censé euh, est censé, c est cette période que le composite est, est censé atténuer. Euh, mais dès la première semaine, il s'en va. D'accord. Pour éviter pour éviter ce type d'irritation. Maintenant, c'est en fait c'est quelque chose que tu as systématisé du coup ce truc. -là, enfin, le, Alors sur des, le sur des prélèvements euh, sur des prélèvements de surface, euh, effectivement. Euh, sauf que on fait pas que des prélèvements de surface, ça dépend un peu des, des indications, mmh. euh, la, la technique, euh, la technique de prélèvement. Bah oui, prélèvements... j'aurais bien aimé que tu nous en parles, des indications du, du greffon. Ah, <laughs> mais si, c'est un, un autre programme. <laughs> ça, ça m'intéressait beaucoup. Moi. <laughs> un autre programme. Il faudra, faudra revenir. Au, au acheter du papier, acheter du papier. <laughs> ok. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, alors il y, y a quelques questions sur la, la, le traitement des lésions cervicales d'usure. Donc on a bien compris euh, que euh, effectivement tout ce qui était euh, coronaire à la ligne de recouvrement maximale ou la jonction amélo-sémentaire, c'était du composite. Oui. Est-ce que toi tu, tu, tu as un problème euh, si jamais tu dois. Euh, Est-ce que ça t'est arrivé en fait de, 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 de descendre un peu le compo, ou d'avoir greffer sur du composite et si oui qu qu'est-ce qu que tu, tu penses qu'on obtient comme attache même si a priori aujourd'hui il y a quand même de la doc ouais, ouais, euh, a, a priori c'est quand même c'est quand c'est quand même à éviter euh, clairement euh, l'idée de ces composites euh, reconstituant le euh, la zone coronaire euh, c'est qu'ils viennent mourir extrêmement vite euh, sur la racine euh, mmh. après, euh, après, euh, après avoir recréé l'anatomie surplombante. C'est euh, vraiment, vraiment l'idéal. Euh, maintenant, euh, est-ce que euh, j'essaye de chercher euh, une situation dans laquelle je n'aurais pas le choix et je serais obligé de, de recouvrir sur un compo Et en fait, je n'en trouve pas, euh, dans la mesure où s'il y a un compos radiculaire, on peut l'enlever. S'il y a un compos coronoradiculaire, on peut le sculpter pour n'en garder que la portion coronaire. Euh, bon, il n'y a guère que dans le cas il euh, et, euh, et, et, euh, a guère que dans le cas d'une un, euh, fenestration, par exemple en ando. Et là, je, je pense à un cas bien particulier. Euh, posté par Léon Parienté euh, ouais, ouais, de, ouais. de façon récurrente. À part dans ce cas, qui est le, le cas d'une vie, hein, parce qu'on ne va, va pas le rencontrer <laughs> souvent, euh, à, à, part dans, à part dans ce cas-là, je ne vois pas quand je serai obligé de, 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 de recouvrir non, sur un je, compte. Je, je, je pose la question parce que je sais bien pourquoi euh, tu ne te retrouverais pas dans cette situation. Là, toi, parce qu'à partir du moment où ton concept de venir compenser l'épaisseur de, de, du manque avec du greffon, qui lui a une épaisseur variable, tu, 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 la problématique, elle est, elle est sortie déjà. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, ça peut arriver de voir passer des cas où, sur des, des lésions cervicales qui sont très très profondes, on a eu une compensation un petit peu au composite et c'est greffé sur composite. Donc évidemment, là, la tâche qu'on obtient, elle est. Euh, c'est une bulle, quoi. Ouais, Et il faut ouais, absolument éviter ce genre de choses. Tu, tu, tu ouais. préfères manger bio ou tu préfères <laughs> manger euh, tricatelle <laughs> okay, <toi> <laughs> non, non, on est d'accord. Euh, ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui se présentait. Euh, je regarde, je regarde, je regarde. Oui, les, les, les sutures sont évidemment décrites, le protocole de suture est évidemment décrit dans le livre. Extrêmement que... précisément. Ah euh, mmh. oui, oui, oui. Et alors... Euh, Vraiment, vraiment, euh, il est beau. Hein. Voilà. Il est là, il est frais. Ah non, mais je, moi j'ai trouvé le... C'est un, le... un joli travail de quintessence. Exact, on, on va remercier les éditeurs. Ouais, <laughs> bravo, bravo Karim, bravo Léon. Ouais, euh, ouais. Les, euh, non, non, les schémas sont chouette. signés d'une chouette équipe euh, brésilienne. Alors c'est juste un peu difficile de, de, de les joindre euh, compte tenu du décalage horaire et du Covid. Mais euh, voilà, à part ça, ils font un super boulot. Et, et du coup, les, 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 la description... Euh, de la méthode de reconstruction euh, coronaire euh, et des sutures est vraiment très bien faite par des très beaux schémas. Ouais, je confirme. Les temps partants sont, sont sont très clairs et euh, tout est très très détaillé, notamment euh, les, les tableaux qui sont qui ont été présentés à la fin sur enfin euh, décisionnel. Tout est dans le livre et c'est très clair. Bon, bah, merci Vincent. Jean merci beaucoup. Merci, c'était top. Merci. top. Bon, c'était super. Hein c'était vraiment super. Merci beaucoup. J'ai reçu énormément énormément de messages en privé de, de de compliments euh, pour Vincent. Euh... Et surtout, euh, on a eu vraiment beaucoup de monde ce soir, euh, donc euh, euh, j'ai hâte de voir euh, les chiffres en fin de, <laughs> en fin de conférence. Euh, C'était vraiment exceptionnel. Et oui, donc pour rappel, oui, effectivement, le livre, euh, le livre, il est au tarif souscription parce qu'il sort dans une semaine. Donc pour l'instant, il est à quasiment euh, à moins 20%, ce qu'on ne peut pas faire en, en librairie une fois que le livre est officiellement sorti. Donc il faut en profiter, effectivement. Euh, euh, pour Alors, euh, pour le je pour je le pas Toutes les problématiques de l'édition, mais il me semble bien. C'est ce qu'on m'a expliqué. Quoi, hein, je suis 24, pas je 25, suis pas un pro, euh, mais apparemment 25, voilà, 25, on peut, on, que, le discount, ça n'existe pas à, en, en livraisons. Ouais. Donc euh, donc profitez profitez-en effectivement et j'ai hâte j'ai hâte euh, de, de, de le fêter euh, également. Vraiment euh, vraiment bravo en tout cas pour pour cette soirée. Euh, merci euh, merci à vous deux. Je vous présente un petit peu le programme à venir là pour les prochaines semaines, même d'ailleurs dès demain où euh, je serai euh, avec, euh, avec 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 euh, Georges Coury, Avec Georges Courri qui va euh, nous faire une très belle conférence sur les osteotomies sur les ostéotomies et euh, 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 osseuse euh, en implantologie. Et ça c'est une conférence qui est faite avec, euh, avec par, par la SFCO. Euh, nous avons également euh, la semaine prochaine une autre conférence euh, de Mitri, Davarpana et Philippe Rajbaune sur... Euh, le concept de muco-intégration. Donc voilà, c on, va, on va parler tissu level et bonne level à, à foison. Ça va être une très très belle conférence qu'on organise mercredi prochain, mercredi prochain, donc 24, 24 juin. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on, on a le 8 juillet. Le 8 juillet, une conférence de la DS Academy. Euh, et là on va, on, va, on va être un petit peu sur l'orto. Cette fois-ci, aligneur au service de praticiens pourquoi et comment utiliser, une conférence très généraliste euh, qui va être très intéressante. Et puis enfin, on terminera, euh, on terminera la saison 2 euh, des webinaires de BC dans live avec euh, Spot Implant. Spot Implant, c'est un service en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré déjà. Euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux, c'est un service en ligne qui est proposé par euh, Denis et Alexis, euh, et Alexis Villard, qui sont euh, deux chirurgiens dentistes et ingénieurs, un chirurgien dentiste et un ingénieur qui sont deux frères, euh, qui ont créé ce service en fait, de détection d'implants euh, sur, la, sur la base de radiographie, et donc un système d'intelligence artificielle, et donc on, ils vont nous expliquer un petit peu euh, ce, comment fonctionne ce, ce programme. Voilà. Euh, ça va être une conférence intéressante. Voilà. Merci en tout cas à, à tous les deux encore. Passez une, euh, passez une très bonne soirée le, la soirée sera, est en replay bien évidemment comme, comme le match qui nous a concurrencé ce soir <laughs> je vous ai vu là tous ceux qui regardaient justement euh, chacun sur deux écrans à la fois là. Euh, très bonne soirée et portez-vous bien à très bientôt à bientôt, salut, oui. au revoir